Salut à toutes et à tous, c'est Hydrevar, là c'est Thaumaturge. Salut tout le monde. Hello tout le monde. Oh, l'autre qui est pressé là. Salut tout le monde. Bon. Ah ouais, fallait les répondre, wesh, vas-y. Et donc, nous revoici pour notre deuxième épisode de Alas, l'aventure extraordinaire, que je me souviens, c'est comme ça que je l'ai nommé. Et ouais, l'épisode 2, donc je l'ai dit, je crois. Allez, on s'en fout. Donc, nous voici, donc on va rentrer dans le jeu, et cette fois-ci, la première phase qu'on a décidé de vous montrer, comme vous aurez pu sûrement le voir dans le titre de la vidéo, c'est le pilotage. Donc, salut les gars. Salut. Oh non, vas-y, t'as fait exprès de prendre cette tenue, hein. Ah ouais. Oui, vous pouvez regarder l'ast. Oh, mais qu'il est trop classe, c'est un clair. Regardez, inspectez. Je suis gentil, ou je vais manger des petits macarons. Bon, voilà, c'est n'importe quoi. Désolé. Bon, alors, on va commencer tout de suite. Voilà. Alors, voici les turbines. Alors, les turbines, quand on les utilise avec ce petit bouton rouge, on peut... en fait, ça nous permet de faire démarrer le navire et de commencer notre aventure. Alors, on peut également montrer ça-ci. Donc, monter vers le haut, vers le bas. Alors, on avait déjà parlé de latitude, d'où l'intérêt d'avoir fait l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas vu, on vous conseille fortement d'y aller. Sinon, vous ne risquez de pas comprendre certains trucs. Sauf si vous avez déjà un bateau et vous regardez juste pour nous évaluer. Donc voici. Stabiliser, faire revenir son navire à altitude de base. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer. Hein. Si vous avez trop monté ou trop descendu, que vous êtes trop... Pour réussir à revenir où vous étiez, vous faites stabiliser et tout revient à normal. Donc, quittons le hangar. Alors, on va vous présenter un petit peu les machines qui ont un rapport avec le pilotage. Donc je pense que le moteur, je peux en parler. Alors le moteur... c'est comme le gouvernail en fait, ça fait exactement les mêmes trucs. Donc voilà, plus besoin d'en parler. En fait, les deux ils sont liés, donc peu importe lequel on fait, c'est comme si on avait les deux en même temps. Voilà, donc alors, ici nous avons les déplacements, donc bâbord, tribord. Donc j'ai utilisé la carte la plupart du temps dans ces vidéos, enfin dans cette vidéo là puisque je pilote. Donc j'utiliserai la plupart du temps la carte, puisque c'est comme ça le meilleur moyen de se repérer, de savoir où on va et de vraiment piloter quoi. Alors on profite pour montrer les cartes. Il y a Typhon Astral rouge, vert et bleu. Thaumaturge, qu'est-ce que c'est? Bah bonne question. Ouais, Bob. Ah, je savais que vous allez répondre en bordel. Bon allez, on va dire au pif, Thaumaturge, qu'est-ce que c'est? Ah. Alors donc chaque typhon nous transporte sur une autre map. Donc ces typhons seront utiles et on connaîtra l'ordre dans lequel il faudra les prendre en utilisant le radar qu'on montrera une autre fois, sûrement quand on ira sur Nalot. Exactement. Ensuite, là, ce sont en fait des portes entre les différentes zones de l'astral. Oh, comme il m'a coupé. En résumé. Regarde. Ben, et ben voilà, ça, en gros, c'est ça. Ça va permettre simplement de passer d'une zone à l'autre de l'astral. Bon, voilà. La musique est sympathique. Là, il y aura ce que vous entendez. Et donc là, c'est parle-nous par exemple des tourelles défensives. Quoi? Les tourelles défensives. Il y en a. Oh le con. Bon, les tourelles défensives sont tout simplement des tourelles qui défendent tout simplement la Lodz originelle de votre faction. Voilà. J'aurais pu savoir ça. Bah, on m'a pas prévenu. Moi je me suis jamais Qu'est-ce prévenu épisode. Non plus. J'ai juste deviné. Voilà. D'ailleurs si j'ai tort, mettez-le moi, mais ça m'étonnerait qu'elle serve à vendre des cookies. Tiens. Alors voici donc, le pilotage reste assez simple. Quand vous n'êtes pas habitué, vous trouvez ça compliqué. Mais c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais franchement, vous habituez rapidement. Simplement, ici, ce sont les vitesses. La vitesse lente, moyenne et rapide. Logique. Alors, je vous laisse deviner, la vitesse lente et... Lente, les enfants, vous n'êtes pas concentrés là. Et donc, nous revoici, on a une petite coupure parce que là, c'est à décider de se rendre utile. Ça n'a pas marché. Ah ouais, mais j'ai rendu le bateau plus vite. À l'heure. Et il nous a forcé à tout couper. Une espèce de petit handicapé majeur. Donc ça ne fait rien. De toute manière, vous auriez des chances de le voir ça, en fait, je pense, dans le best-of. Oui, parce que oui, il y aura un best-of sur tout ce qu'on a fait sur Alot. Notamment nos échecs cuisants sur la série qu'on avait prévu de faire. Ça ne fait rien. Enfin, le court-métrage. Mais bon, ça part. Donc voici. Alors, on en était, je sais même plus où, merci Last. Petit cochon d'un handicapé. Voici. Piloter en donc voilà, les vitesses normales, lentes et rapides. Donc voilà, bon, logique, hein, rapide, lent, rien à expliquer. Alors il y a bâbord, tribord. Alors vous remarquerez qu'il y a une double flèche. Non, ce n'est pas comme dans les films genre on avance un chapitre, on avance la scène. Non, rien à voir. Là, ça permet simplement de tourner beaucoup plus et de... Ouais, en fait, si vous voulez prendre les expressions du jeu, vous pouvez vous la péter en disant à tribord et à tribord tout. Mais en gros, ça veut dire tourner plus vite. Voilà. Là, remarquez comment... Ah, c'est le terme de marin, quoi.
remarquer comment mon navire tourne. Il tourne à peine, franchement, c'est pourri. Bon, j'ai rien dit. Et là... Putain, mais attends, il se passe quoi? Bon, ok, je vais arrêter. Ahem, voici donc, je vous ai tellement troublé. Donc, voilà, voilà. Donc, je vais commencer à avancer. Vous voyez que le navire accélère, accélère, accélère et va de plus en plus vite. Voilà, donc je disais, tourner, vous pouvez voir. Et là, si je fais ça, je tourne deux fois plus vite. Voilà. Je pense qu'ils ont compris quand même le principe de tourner. Ouais, mais je monte quand même, vu que j'ai pas réussi à montrer tout à l'heure parce qu'il y a eu un truc chelou dans lequel je ne pouvais pas tourner. Ça me fait rien. On s'en fout, mes amis, tout va bien, c'est la paix et l'amour. Ok, j'arrête. c'est qui s'amusait à cibler le bateau en haut? C'est chiant, maintenant j'ai un cercle en plein milieu de l'écran. C'est pas gentil. Je vois que c'est Thaumaturge qui s'amuse à piloter en même temps. Ah oui, on peut piloter. Je peux même y aller, moi. Je n'ai même pas encore touché aux machines. On peut piloter à deux, en fait, ce qui permet d'emmerder le conducteur. C'est très pratique. Sauf en PVP. Non, je crois que t'as un truc à 3 aussi. Quoi que ce serait marrant, tu sais, que le pilote il se fasse emmerder par un mec de la faction adverse. Enfin, t'es un mec du navire adverse qui arrive et qui commence à piloter. Allez, on va aller vers le bas. Non, arrêtez, c'est une vidéo là. S'en fout, le LOL est parmi nous. Ouais, là c'est des problèmes génétiques. Ok. On est à moins 19. Énorme. Non, mais quel con. Voilà. Wow, il est en train de descendre trop bas lieutenant. Ah oui. Ah oui, non. Bon, elles sont... Ok, j'espère. Donc voici. Alors voici le vortex. On est un petit peu trop bas à cause de l'autre. Mais tout va bien. Ah bon? Voilà, on est rentré quand même. Voici l'écran de chargement. Et paf! On a changé de zone. À présent, il y a... Wow, on est en dérive là, lieutenant. Qu'est-ce que c'est? Mais non, là. Mais rien à voir, on est en dérive. Tu vois pas que le bateau il glisse à mort, il est à fond là. Ok, c'est bon, il est en train de freiner. Voilà. Donc, alors voici ça, ce sont tout simplement les symboles de nos chères petites créatures qui vont nous pourrir la vie ou alors nous donner des instants de fun mémorables dans l'astral. Parce que oui, ce sont les créatures que vous aurez à tuer. Vous en avez plusieurs sortes, bien entendu, mais principalement, nous, dans notre vie, dans nos vidéos, on vous montrera ceci, qui sont des jeunes assassins astraux, également des pédophiles. Voici donc. Donc, je vais arrêter de dire ça, mais là, ça devient lourd. Alors, j'aimerais bien vous les montrer rapidement, quand même, même si c'est à la base, c'est la vidéo de conduite. Alors, ah, on est attaqué, ça, c'est bon, ça. Donc, je vais utiliser rapidement ça, le but étant, bien entendu, de vous montrer les créatures. Alors, voilà, les créatures, c'est ça. Cette créature immonde, avec une tête pas très. Et ben, oh, mince, il faut des nuages partout, sinon quoi. Ah mais les tuez pas s'il vous plaît. Bon voilà, je peux si, pas c'est essayer moche, de... c'est vous les voyez rapidement en fait, ce sont des sortes d'insectes. Voilà, c'est chelou. Voilà, c'est des insectes assez chelou. Voilà, moi je rechante dans ma soute comme une vraie petite tarlouse. Et je pars au combat. Enfin, je pars au pilotage. Bon, allez. Voici. Donc, hop là. Je pense que pour cette vidéo, on va tout simplement... je pense qu'on a plus grand chose à montrer au niveau du pilotage. Hein. Bah ouais, par montrer qu'on peut tourner et qu'on peut avancer vite. Voilà, donc il y a la turbine également qui nous permet de monter et de descendre. Vous pouvez voir que là je descends moins de mètres, moins de 3 mètres, moins de 4 mètres, patata, stabilisé. Tu peux nous ramener, je crois, enfin tu peux nous ramener à notre état normal. Clac, voilà, et 3, 2, 1... 0. Ouais. Tout va bien. Bon. Voilà, ensuite. C'est tout bon. Alors, je pense que vu que c'est pas très long, je vais peut-être pouvoir vous montrer quelque chose. Vous en pensez quoi? Je peux montrer la vigie? Oui, bah peut-être on va aller. Je vais nous téléporter dans une zone plus haute pour peut-être montrer l'utilité de la vigie. Ou alors on passe sur une autre map. Comme tu veux. Réacteur, on va passer peut-être sur une autre map, ça va. Last être... Mais ça sert à rien, je vais pas le faire exploser. Ah oui, donc alors on a une technique, c'est qu'on peut faire exploser le navire comme je le fais en ce moment même. Tu fais chier. Ou en allant dans la zone rouge comme le fait Hydrevart en ce moment. Ouais. Il est vraiment con l'instant. Ouais, voilà, libération d'énergie, infuse de dégâts significatifs proportionnels. Tu conduis plus là? Bah ouais. Tu te moques. Tu conduis plus, mais attends, on est dans la zone rouge là, tu sais que on explose dans la zone rouge. Ah, merde. Non. Barrez-vous. C'est à cause de Last. C'est... Putain de merde. Oh le con. J'avais complètement oublié ça. Désolé. Zone rouge. Ah ouais. Vite, du gouvernail. Allez. La vache. J'ai l'impression de passer dans le côté obscur de la forêt. Last, tu vas remettre le bouclier arrière et les boucliers sur le côté, vite. Mais les boucliers, ils sont normaux. Les boucliers sont en rouge. C'est qu'un détail. Allez, vite. Bah j'y vais.
Non, non, c'est pas ça, c'est que j'ai un problème là. Y'a plus de bouclier. Bah, on accélère alors. Quelqu'un met le turbo s'il vous plaît. Ok. Merde. Ah, va au turbo, last. Turbo, vite, 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 vite. Ouais. Alors, oui, donc vous avez pu voir notre premier. Fail. Voilà. Enfin, au moins, vous avez vu que si vous échappez, si vous ratez cela, et bah vous allez mourir dans d'atroces souffrances, comme je vous l'avais indiqué dans. Turbo, 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 vite. Ouais, bah j'essaye. Voilà, seul. C'est parti. C'est nul. Bah attends, ça se met du temps à démarrer. Ah merde. Oh. Ah, j'ai bien hâte de voir la cinématique de l'explosion. Ah, oh, c'est pas mal ça. Ah non, allez, allez, vite, 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 vite. Mais c'est pas vrai, on n'arrive pas. Et oui, vous avez vu que les zones rouges sont tellement dangereux qu'on risque de mourir, et ça sera la faute à celui qui pilotait. Ouais. Vas-y. Là, c'est pas moi qui pilotais, hein, j'y étais pas. Ah, je peux plus booster la vitesse, donc on est à 28, pour... 28 km. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est sauvé. Par contre, on est attaqué. Alors là, Thaumaturge, j'ai sûrement un semblant d'envie de m'éclater violemment le visage sur le sol, et de me péter le nez, de me briser les os de la mâchoire, et de me briser les genoux aussi. Donc je vais lui en non, donner l'occasion. Parce que comme ça, on a trouvé une bonne excuse pour sortir les gobelins. Ah oui, pour réparer le bateau. Ok. Alors également, bon bah on va en profiter pour montrer les réparations. Ah oui, ce sera épisode voilà, fail plus réparation. Désolé, encore une fois, Thaumaturge. On a bien trouvé une excuse. Voilà. Alors, pourquoi il me fout le didacticiel? Ça a l'air sérieux ça, Jean, je l'ai jamais fait. C'est pas vrai, j'ai déjà fait. Voilà, donc vous pouvez voir que je tire ce gobelin. C'est marrant. Si tu veux, on va pouvoir aller donc dans la salle des machines, montrer ouais, les réparations en même temps et les gobelins. Voilà, bah là je suis en train de présenter un gobelin, j'en ai un dans ma main. Donc je vais le balancer en plein milieu de la zone, voilà, ici, sur le pont supérieur. Voilà, vous pouvez voir la zone, j'ai pris le gobelin le plus efficace. Il a une zone qui... Enfin, il affecte une très grande zone. Une fois que je le lance, regardez-le. Voilà, il va commencer à taper, ça va réparer toutes les machines. Regardez leur PV qui remonte. Voilà, c'est trop pratique, c'est plutôt bien fait et tout. Voilà, le navire en revanche ne se réparera pas. Les PV qu'il a perdu restent perdus, je crois, tant qu'on n'est pas rentré là-bas. Non, non. On peut aller aussi dans le réacteur pour l'utiliser. Ah bah je vais utiliser le réacteur alors. Ouais, on va montrer cette fonction, donc nous avons montré l'accélération. Démarrer le générateur de la coque. Voilà, réparation de la coque et la coque va se régénérer elle-même. Régénération de la coque. Okay. Ça c'est classe. C'est bon, je vais lancer. Elle se régénère, comme vous pouvez voir. Ah, et alors, et sinon de l'autre côté, du côté du moteur, nous avons le bouton accélération, donc il n'y a qu'un seul bouton au niveau du moteur. C'est celui que nous avons utilisé pour éviter de mourir. À cause de moi. Oui, j'ai fait le boulet, je le sais. Mais y a pas de souci. Ça nous a permis de montrer aux autres personnes. Ouais, et puis pas la peine de mettre de pouces rouges ou de mauvais commentaires, parce que je vous signale que c'était parfaitement prévu. Voilà, tout était prévu. Voilà. D'ailleurs, lors d'une des répétitions, on a failli vraiment exploser. Oui. Là, on n'a même pas eu peur, mais vous croyez quoi? On est des pros, nous. Ok, j'arrête. On peut pas arrêter. Si. Donc voilà, on vous a à peu près tout montré au niveau du pilotage et des grosses boulettes de Clodo. Je suis coupable. Maintenant, bah, je crois que... D'ailleurs, je pilote toujours pas. J'espère qu'on n'est pas encore entré dans une zone de merde. Non, oh, tu sais qu'on a encore un peu, on repasse dans la zone rouge. Bah, oh, on est chanceux sur ce coup-là. J'aurais coupé ce moment. En fait, on a été chanceux et on est passé dans le portail. Ah bah putain, ah, je suis vraiment navré. Ah et en plus on est rentré pile poil dans le bon portail. Ah bah c'est parfait. L'accélération qu'on voulait montrer finalement on n'aura pas besoin puisque là c'est on a fait une petite démonstration avant. Et en plus de ça on en a eu besoin pour se sauver la vie. Donc bah c'est bon, je pense qu'on peut rentrer au port. On vous montre ce que ça fait de rentrer normalement. Parce qu'après normalement on peut se téléporter directement. Mais bon là tant pis, on va faire ça comme ça. Et puis voilà, je pense que ça ira. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc on vous a montré durant cette vidéo le contrôle du navire, plus les réparations au niveau de la coque et des engins. Et des conneries. Ah, ça c'est bon. Les canons. Et voilà, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas et faire. Et les canons, il faut pas oublier. Non mais les canons, on les a pas montrés. Non mais la réparation... Les canons, on les montrera en même temps que les boucliers. Ouais, donc ce sera dans le prochain épisode, je pense, les canons. Oui. Donc bah on va attendre d'être rentré pour se dire au revoir et vous pouvez en même temps observer dans la cabine du pilote, c'est vraiment plutôt vraiment classe. On peut voir la loze, on s'approche et tout, et puis voilà, c'était sympa. Donc voilà, on va rentrer. Le seul truc un petit peu pas du tout crédible, c'est de voir que la loze est minuscule et que nous on y rentre dedans mais tranquille. Enfin bon, c'est un peu con. Donc il y a un petit peu un problème de proportion. Mais c'est pas vraiment grave. En fait on s'en fout. Donc voici. Voilà. Voilà, bien sûr. On vous a montré le pilotage, et les conneries, et les réparations.
Donc c'était Hydrevar, là c'était Thaumaturge, salut les gars et salut tout le monde. Au revoir. Salut.